Après l'accident, jour 12. Mon interaction physique avec le monde de Poisse n'est pas totale. Je peux sentir sa présence, mais je ne peux rien toucher, sentir, bouger. Je sens bien que les cabanes sur le fleuve existent aussi dans son monde, mais elles sont habitées. Son monde est vivant, peuplé, joyeux, là où le mien est mort, vide et triste. J'aimerais pouvoir traverser le voile et arriver dans son monde, mais au fond de mon être, je sens que c'est impossible. Je pouvais, cependant, affiner notre moyen de communication. Le fait qu'il puisse m'écrire sur le mur m'a donné une idée. Une idée de fou, mais une idée quand même. Au soir tombé, je me suis ouvert à Poisse, l'invitant, guettant sa présence. Il s'est vite montré. Je l'ai guidé jusqu'à une étendue de terre nue proche de ma cabane et j'ai tracé « bonjour » dans la poussière, du bout d'un bâton. « Une idée de fou, vous avais-je dit ?» J'ai attendu, fébrile, de voir s'il pouvait me répondre. J'ai senti qu'il écrivait à son tour, mais devant mes yeux déçus, rien n'apparaissait. J'avais beau fixer la terre meuble de toute mon âme, rien n'apparaissait. Je me suis pris la tête dans les mains de désespoir, me moquant de ma propre bêtise. Et quand j'ai relevé les yeux, une réponse était inscrite dans la poussière. « Bonjour, Arsino. » La magie qui reliait nos mondes ne devait être assez puissante que pour faire des changements du coin de l'œil, des détails minimes qu'on voit à peine, pas des miracles avec lévitation et effets pyrotechniques. Il me suffisait dès lors de détourner le regard à l'instant ou juste de cligner des yeux pour voir apparaître le message de mon étrange correspondant. Nous écrivions chacun dans nos langues respectives, et bien qu'aucun de nous n'avait appris celle de l'autre, nous nous comprenions parfaitement bien, nos écritures servant de médias à un échange d'idées. Les tentatives de transcription faites ici appauvrissent des formes, simplifient douloureusement le propos, mais je préfère une version bâtarde à l'oubli. Poisse, c'est ainsi que son nom m'apparaissait, mon esprit l'ayant déjà nommé, m'apprit qu'il vivait dans une ville, toute proche, celle que j'avais visitée la veille. Quand je lui demandais le nom de la ville, il ne me transmit qu'une sensation sucrée et transparente. Cette sensation était-elle le nom de la ville ? Ils appellent la rivière Joueuse, là encore, nom, adjectif, et se désignent eux-mêmes comme les habitants. Fait étrange, il m'appelle d'un nom qui m'apparaît comme Arsinoé. Alors je ne sais plus où, mais j'ai vu ce nom quelque part, il me dit quelque chose. Poisse s'adresse à moi dans un ton qui mélange gentillesse et respect, mais aussi peut-être déférence, voire crainte. Je lui parle de mon accident, et il me répond qu'il sent que je reprends des forces et que ça le réjouit. Il s'excuse d'avoir eu peur la première fois. Il ne savait pas que c'était encore moi, ou ne savait pas que j'étais revenu. Je lui parle de ma fille Myrtille, et il ne semble pas comprendre la notion de fille. J'arrive pas à savoir si je m'exprime mal, ou bien si la notion de filiation, voire de reproduction, n'existe pas chez lui. Nous avons lentement mais longuement échangé, et j'ai fini par aller dormir quand la fatigue m'a pris. Je sens de mieux en mieux comment ouvrir ou fermer mon esprit à cet autre monde. Et j'ai décidé de bien dormir en m'ancrant dans ma réalité. Ma cabane, mon fusil qui ne m'a pas servi une fois, mon foyer au métal noirci, mon harmonica, mon couteau, ma lampe et mes poissons, mon cadre avec ma fille, ma petite poupée de bois, ma rivière. C'est vrai qu'elle est joueuse.